Dans les années 90, la célèbre entreprise danoise Lego est au plus mal et doit à tout prix trouver un moyen de garder la tête hors de l'eau. Pour ce faire, il s'associe d'abord avec Lucasfilm afin de proposer des sets estampillés Star Wars. Problème, ce partenariat les oblige à reverser des royalties pour chaque set vendu, ce qui les oblige à réfléchir à une alternative plus avantageuse. C'est en se questionnant sur le succès de leur nouvelle gamme qu'ils trouvent leur salut. Bien plus qu'une franchise, Star Wars c'est avant tout un univers. Si Lego possédait eux-mêmes leur propre univers riche et inventif, nul besoin de reverser des royalties à un quelconque ayant droit. C'est donc en 2001 que Lego lance la gamme Bionicle, ne se doutant pas un seul instant que celle-ci allait perdurer pendant plus d'une décennie et marquer les esprits de nombreuses personnes partout à travers le monde. Au départ, l'histoire de Bionicle prend place sur l'île de Matanui, une île aux environnements divers et à la végétation luxuriante, qui fut nommée ainsi par ses habitants en hommage au grand esprit du même nom. Ses habitants, ce sont les Matoran, de petits êtres biomécaniques vivant en tribu et guidés par de vieux sages nommés les Touraga. L'un de ces Matoran s'appelait Takua, un être téméraire bien qu'indiscipliné, à qui les Touraga confièrent une mission, celle de récupérer les pierres Toa, dispersées un peu partout sur l'île. Les Touraga eux-mêmes semblaient ignorer le but précis de cette quête. La seule chose qu'ils savaient, c'est que ces pierres, qui étaient au nombre de 6, devaient être réunies au temple de Kininui, placé au centre de l'île de Matanui. Bien sûr, comme Takua était aventureux, il accomplit sa quête avec succès, et finit par placer les 6 pierres Toa sous les acclamations des sages Touraga. Cette dernière action déclencha un faisceau d'énergie qui propulsa le jeune Matoran dans le décor. Les Touraga n'en avaient pas encore conscience, mais cette réaction énigmatique venait de déclencher l'arrivée de 6 mystérieuses capsules qui, une fois échouées sur l'île, libérèrent chacune un individu tous de couleurs différentes et à l'allure élancée. Les premiers Toa de Matanui venaient de naître. Le rouge se nommait Taou, il incarnait le feu. Gali, quant à elle, incarnait l'élément de l'eau. Onua, c'était la terre. Poatu, la pierre. Lewa, l'air. Et enfin, Kopaka était le Toa de la glace. À leur arrivée, ils l'ignoraient encore, mais ces Toa avaient été envoyés ici dans un but bien précis. En effet, depuis peu, Matanui était menacé. Les Rai, l'équivalent de la faune locale, s'en prenaient parfois subitement aux habitants sans aucune raison apparente. Il s'agissait en réalité de Makuta, l'entité maléfique qui avait plongé le grand esprit Matanui dans un profond sommeil. À peine ils eurent le temps de découvrir leurs nouveaux pouvoirs respectifs, que les 6 Toa montrèrent immédiatement leur détermination et leur capacité à repousser le danger. Mais hélas, s'ils voulaient vaincre le terrible Makuta, il leur fallait acquérir de nouveaux pouvoirs. Pour ce faire, les sages Touraga les envoyèrent à la recherche de différents masques de pouvoir, appelés également Kanoi. Car dans le monde de Bionicle, chaque individu ou presque porte un Kanoi. Ça leur est tous essentiel, voire même vital. Certains d'entre eux possèdent des pouvoirs, et c'est ce qui poussera les Toa à s'aventurer dans chaque recoin de Matanui, afin d'en débusquer autant que faire se peut. Armés de leur courage, les Toa devront apprendre à coopérer pour arriver à leur fin. C'est une fois les différents Kanoi réunis que les Toa se retrouvèrent au temple de Kininui afin d'y déposer leurs récentes trouvailles. C'est alors que les masques de pouvoir se réunirent, déclenchant une vague de puissance, transformant les Kanoi des Toa en masques dorés. Mais ce n'était pas tout. Une étrange pierre venait d'apparaître. Il s'agissait en fait de la pierre Makoki, un morceau de forme circulaire nécessaire pour ouvrir le passage vers Mangaya, le repère de Makuta. Les Toa étaient désormais prêts pour un affrontement sans précédent. Pendant que les Matoran défendaient Kininui tant bien que mal contre les Rai possédés, les Toa s'enfonçaient progressivement dans le repère de Makuta. Une fois sur place, ils se découvrirent un nouveau pouvoir. Ils étaient désormais en capacité de fusionner, donnant naissance à 2 entités, les Toa Keita. Ces 2 nouvelles formes leur permirent de combattre plus facilement les différents Rai ennemis qui leur barraient la route. Une fois le cœur du repère atteint, les Toa furent séparés de leur forme Keita, touchés par l'aura destructrice de Makuta à proximité. Avançant d'un pas méfiant, ils arrivèrent dans une salle d'un vide menaçant, avec en son centre une sorte de vortex tourbillonnant, accompagné de ce qui semblait être un Matoran, au teint sombre et au masque infecté. Les Toa furent d'abord surpris de ces découvertes, puis ils comprirent. Ils avaient juré de protéger les Matoran, c'est pourquoi Makuta avait adopté cette forme, du moins dans un premier temps. Car après avoir exprimé son désir inlassable de destruction, Makuta fusionna avec le vortex qui trônait au-dessus de lui, ce qui déclencha une nuée de coups déchaînés contre les Toa affaiblis. Il était de plus en plus difficile de repousser les attaques du Maître des Ombres.
Mais dans un dernier effort, les Toa joignirent leurs pouvoirs élémentaires et les dirigèrent en direction du sombre vortex. Une voix s'en dégagea leur déclarant « Je ne peux pas être détruit, car je ne suis rien. » avant de s'estomper jusqu'à la disparition totale de l'entité. Grâce à leur union, les Toa étaient enfin parvenus à détruire Makuta et à libérer le peuple Matoran de l'attaque des Rai. Les habitants de l'île purent célébrer cette victoire avec soulagement. Toute menace était désormais annihilée, du moins c'est ce qu'ils pensaient. Takua, qui avait assisté au combat opposant Makuta et les Toa, était resté dans le repère souterrain et il y découvrit une grande salle remplie de multiples alvéoles qui semblaient constituer une sorte d'immense ruche verdâtre. C'est alors qu'une créature s'expulsa de l'une de ces alvéoles, faisant immédiatement fuir Takua. Les habitants de l'île l'ignoraient encore, mais dans l'ombre, les Borok se préparaient à venger Makuta. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À l'occasion des 20 ans de Bionicle, j'ai voulu me lancer dans un nouveau format dans lequel je résume l'histoire de ce lore qui me passionne depuis très longtemps et que je trouve bien trop méconnu. Pour ce premier essai, j'ai souhaité me limiter à la première année, donc 2001, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, car qui sait, peut-être que plus tard j'aurai l'occasion de raconter la suite, puisque l'histoire de Bionicle ne se limite pas qu'à ce court récit, loin de là, croyez-moi. Je tiens à remercier la communauté de Bionifix qui m'a aidé à la conception de ce résumé. Si vous êtes intéressé par le lore de Bionicle, je vous renvoie vers leur encyclopédie nuvapedia.fr, sur laquelle j'ai moi-même pu me baser, et qui regorge d'informations diverses concernant le lore de Bionicle, et tout ça rédigé en français. D'ailleurs, comme cette année c'est les 20 ans de cette gamme si particulière, je vous conseille de suivre de très près le site de bionifix.fr, car il se peut que des surprises arrivent tout au long de l'année. J'espère être parvenu à vous intéresser à ce fantastique univers qui mérite qu'on s'y attarde. Ne vous inquiétez pas, les sujets habituels reviendront très prochainement. En attendant, n'oubliez pas de rester bienveillant et respectueux. Quant à moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.